Le village de Colobrières se situe dans une courbe de sa rivière, la Real Colobrier. La place centrale du village, depuis le 19e siècle, où se trouve l'hôtel de ville, abrite le marché chaque semaine. La fontaine a été érigée en 1891 sur l'ancienne place principale du village pour commémorer la mise en eau sous pression de celui-ci. Autrefois, les habitants s'alimentaient en eau de puits privés dans les caves de leur maison et de quatre puits communaux. La commune de Colobrières possède 5 mines, où était pratiquée l'extraction de fer, baryte, cuivre, houille, quartz, plomb et zinc. Il existe plusieurs styles de fossiles et tous les organismes peuvent être fossilisés. De la bactérie la plus petite au plus gros dinosaure, en passant par la méduse, la fougère, le bois ou encore l'insecte. Au sommet du village, une chapelle a été construite au XIe siècle. De par son mauvais état, en 1532 débute l'édification de l'église Saint-Ponce, laquelle se termine 10 ans plus tard, et a été agrandie en 1660 et 1840. La dégradation de l'édifice, son difficile accès et la croissance de la population de Colobrières font que les familles les plus aisées réalisent des donations pour construire une nouvelle église, plus vaste et plus accessible, au centre du village. En 1878, une dernière veillée est célébrée. L'église sera ensuite laissée à l'abandon. L'église Notre-Dame des Victoires, au style néo-gothique, a été construite dans les années 1870
grâce aux contributions des riches familles du village. Cet espace a été utilisé depuis le Moyen-Âge jusqu'au 19e siècle par les agriculteurs de céréales, vergers d'oliviers, fruitiers et châtaigniers, pour la chasse, les éleveurs de liège, bûcherons, entre autres. Ces activités dépendaient du droit d'usage, régissant les prélèvements. Le chêne liège est un arbre méditerranéen. Son écorce très épaisse lui confère une bonne résistance au froid, à la chaleur et aux incendies. Si le feu n'est pas trop virulent, l'arbre survivra à son passage. Depuis l'Antiquité, le liège est utilisé pour le bouchonnage, la fabrication de chaussures et de filets de pêche. En 1813, Colombrières possède une unique fabrique de bouchons de liège. 50 ans plus tard, il y en a une trentaine dans le village, employant plus de 400 ouvriers. Le travail du bouchon, minutieux, est souvent confié aux femmes. Cette activité est peu à peu délaissée, de par la fin du colonialisme, la concurrence de l'industrie plastique et l'importation massive de bouchons de liège à bon marché de Sardaigne, Portugal et Espagne. Actuellement, le liège ici récolté l'est pour la fabrication d'isolation thermique et phonique et aussi pour la fabrication de bouchons de très bonne qualité. La récolte saisonnière se pratique du 15 juin au 15 août. La première récolte du liège a lieu lorsque l'arbre atteint 25 cm de diamètre. Puis, chaque 10-15 ans, lorsque la nouvelle couche de liège atteint 35 mm. Ce moulin à vent, construit au XVIe siècle, est le seul de Colombrières. Il a servi d'appoint lorsque les moulins à eau ne pouvaient plus fonctionner à cause de la sécheresse. Les châtaignes et marrons sont tous deux des fruits du châtaignier. La différence réside dans l'enveloppe. La bougue de la châtaigne comporte de 2 à 3 amandes et sont de petite taille, environ 100 fruits par kilo. Le marron provient de châtaigniers greffés et la bougue contient une seule amande qui est deux fois plus grosse. Le marron d'Inde est issu du marronnier dont les fruits ne sont pas comestibles. Les châtaignes ayant subi un trempage à l'eau étaient mises à sécher au soleil pendant 72 heures pour les conserver, puis entreposées dans des sacs de jute. La calibreuse permet de classifier les châtaignes par taille par le biais de vibrations. Après épluchage,
les marrons sont emballés par deux, dans un filet en coton, pour être cuits à l'eau pendant 3 heures. Ils sont ensuite plongés dans un sirop pendant 48 heures pour être confits. Les fruits sont ensuite débarrassés de leur voile de tulle. Chaque fruit est immergé dans le sirop pendant 20 minutes pour être enrobé d'une fine couche de glaçage. Les marrons ou châtaignes sont finalement passés brièvement au four pour faire briller le glaçage, qui sera fixé après 12 heures de repos. La chapelle Notre-Dame de Pitié et des Sept Douleurs, construite en 1889, était la chapelle privée, tout d'abord d'un notaire, puis de différents propriétaires de vignes, jusqu'en 1976, année de sa vente pour un franc à une association religieuse.